vais-je faire maintenant? Je ne suis plus rien. C'est ça. Tu te retrouves dans ce monde cruel avec une poignée d'alliés pour t'épauler. Thank you.
de ma chère famille. Je n'ai jamais été guère plus qu'un mariage avantageux et une matrice féconde. Ils ont donné ma main à un homme de 3 fois mon âge, qui déblatérait sans cesse au sujet de notre nuit de noces. Heureusement qu'une chose incroyable est arrivée alors que j'avançais vers l'hôtel. Delilah, pour la toute première fois, je me suis échappée du manoir en pleine nuit, tel un oiseau qui jamais ne retrouverait sa cage. J'ai contemplé les étoiles en buvant du vin sur les toits. J'étais libre. Au lieu de parler du mariage avec les superviseurs, j'ai rendu visite au banquier de mon père et j'ai quitté mon ancienne vie pour suivre Delilah. C'était les heures de gloire du cercle. Pas me voir. Je suis ici et ailleurs quand tu m'appelles. Me cacher ton visage, protecteur royal. Je ne te quitte pas des yeux dans la ville qui t'a vu naître. C'est fait. Brenna Ashworth n'est plus une sorcière. Espèce de minable, tu n'as même pas conscience de ce que tu as fait. Une fleur précieuse dépérit ce fan. Ce n'est que le début. Tu as foutu le royaume en l'air, mais tu vas me le payer. Oh, Brenna, je ne pense pas que nous nous reverrons. L'idée de te savoir réduite à une chose pâle et triste me révulse. Je ne te le pardonnerai jamais, Corvo Atano. Sans cette haine qui te ronge, Delilah, que te resterait-il ? Dashworth s'en dira peut-être plus sur l'invincibilité de Delilah. Supportais pas les chignons et tes soupirs de soulagement lorsque tu laissais flotter tes cheveux.
On m'a raconté l'histoire d'un marin perdu dans un brouillard perpétuel qui l'accompagnait à travers l'océan. Je suis ce marin. Je te dis cela seulement dans l'espoir de faciliter nos adieux. Souviens-toi que je sais exactement qui tu es et que tu seras toujours dans mon cœur.
Après la mort de Delilah aux mains de Dodd l'assassin, sa magie disparut et le cercle fut dissous. J'avais entamé une nouvelle vie à Karnaca quand j'entendis un jour ces murmures depuis le grand vide. Ils me menèrent au duc qui les avait entendus lui aussi. Ensemble, nous avons œuvré pour ramener Delilah dans le monde des vivants. Tout a changé ce jour-là. C'était il y a 3 ans, chez Aramis Stilton. D'un bout à l'autre des îles, tous ceux qui l'avaient suivi à Brigmore et avant cela ont senti sa magie renaître. D'autres sont venus nous rejoindre, de nouveaux visages, du sang neuf. Aujourd'hui, Delilah est éternelle et immortelle. Elle tient Dunwall dans sa coupe et nous allons bientôt corrompre l'ordre oraculaire. Nous allons manipuler à notre avantage les rêves et les visions de ces sœurs prophétiques qui guident les pas des superviseurs. Aucune chance, de toute façon.
Les officiers méritent davantage de rations, vu qu'on travaille plus dur et qu'on vient de familles mieux placées. Ça devrait... Heureux de vous revoir. Je vois que vous avez trouvé le prototype. Votre connaissance ne s'en est pas tirée. C'est un métier à risque, je le crains. Mais inutile de nous attarder là-dessus. Je pense que vous voulez votre paiement. Voilà déjà votre prime, comme convenu. Je peux aussi vous donner des schémas dérivés du prototype pour améliorer vos outils. Et en guise de remerciement, je vous offre une réduction valable sur toute la boutique. Ça me semble correct. Quelle agréable surprise de vous revoir. Venez vite nous voir, et surveillez bien votre bourse. Moi d'inspecter les broyeurs. Des fois, je crois qu'elle fait exprès d'être sourde. C'est chaud! Je cours. C'est chaud. Non. D'abord je crie, et ensuite je cours. Oui, ça dit raison.
Alors, c'est fait. Le problème à Ashworth s'est définitivement réglé. Bien. Mais quand... Oui, allons-y. Ramenez-moi au Dreadful Whale. Me voilà encore un peu plus près du duc de Cerkonos et de Delilah.